Au village Baïséa, start-up et grands groupes se réunissent autour de l'innovation et de projets à fort potentiel. Depuis 2 ans, cela fait naître de belles rencontres. Bonjour Eric. Bonjour Caroline. Bienvenue au village Baïséa pour parler d'Open Innovation et plus particulièrement de votre collaboration entre Sodexo et la start-up Wind. Expliquez-nous quelle était la genèse de ce partenariat. Alors tout d'abord, Sodexo, en tant que leader des services de qualité de vie, a le devoir d'anticiper ce que seront les services de qualité de vie du futur. Le village, finalement, nous offre une opportunité incroyable, un tissu d'une centaine de start-up, 20 grands groupes partenaires et voilà, un milieu d'interaction extrêmement riche et dense. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Wind, qui est une start-up spécialisée dans le digital payment et dans le food delivery, et de l'interaction est née l'intention d'un projet. Vous travaillez avec la start-up Wind depuis environ 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de projet et de réalisation ? Alors, sur 1 an, quelques mois finalement, et où le village nous a offert un lieu où différentes entités business ont pu venir faire les rencontres et prendre conscience de l'intérêt de lancer ce projet. Et puis à partir du moment où on lance le projet, alors là, un gain en rythme qui est absolument fabuleux, puisqu'en 6 mois, on fait naître un projet qui nous permet aujourd'hui d'améliorer l'expérience consommateur sur l'un de nos sites, avec vocation de le répliquer bien sûr. Donc ça veut dire quoi améliorer l'expérience ? Au travers d'une app, il est 11h, vous allez choisir entre aller manger sur le site et vous serez mieux informé du choix. Vous pourrez commander en ligne, personnaliser votre salade, d'un simple clic, choisir votre formule de restauration rapide. Et ensuite, vous irez avec un coup de fil chercher votre formule sans fil d'attente. Autre possibilité, il fait beau, vous avez envie d'aller à l'extérieur et on va vous orienter vers l'un de nos restaurants réseau affilié avantages et récompenses et vous y serez accueilli de la meilleure manière possible. Et quel est l'avenir de ce partenariat entre Sodexo et Wind ? Alors, en tant qu'acteur des services de qualité de vie, finalement, la qualité de vie dans un bâtiment d'entreprise, mais on pourrait prendre un autre bâtiment, ça commence quand vous arrivez au parking, quand vous passez par l'accueil, la sécurité. Ça passera par les salles de réunion dont vous aurez l'usage dans la journée, votre bureau et différents lieux. L'objectif au travers de cette app, c'est vraiment de guider, faciliter, simplifier tout ce parcours. Mais pour arriver au bout de cette expérience, il faut à la fois revisiter cette expérience digitale tout en revisitant l'expérience physique, donc repenser la façon dont nous délivrons les services. C'est bien ce double équilibre qui est notre challenge pour les mois à venir. Merci beaucoup. Je vous en prie.